Bonjour à tous, salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Far Cry Primal. Donc aujourd'hui on va se faire l'attaque du temple de Batari. Voilà. Donc qui est juste ici, je me suis déjà préparé, je suis devant. Alors... Le temple de Batari, ouais. Ils veulent pousser à grosse pierre pour qu'on puisse rentrer. Ah, ils parlent de ça, ok. C'était pas censé faire tomber ça, mais repousser les gardes. Hop, ah, assez touché. Hop là, donc il va se relever lui ou quoi? Bah déjà il y a les bouts de bois qui commencent à tomber. En fait, je peux pas le toucher quand il est baissé. Ça va pas tarder à tomber, on va pouvoir les défoncer au corps à corps. Merde. Putain, je galère là aujourd'hui. Hop là. Le suivant, il est. Il y en a un ici au plein milieu. Merde. Il y en a d'autres qui arrivent. Moment de vérité là. Moins un villageois. Ah, putain, il y a un con qui est resté sous la pierre. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais le masque de Kratty, ok. Ah même, ils se barrent, ils ont peur de moi. Ça, c'est cool, ça. Hey. Je sens que je vais me faire prendre en embuscade si j'en bute pas un ou deux. Ah non, ils se barrent vraiment, quoi. Donc, je suppose qu'il faut aller à l'objectif sans se préoccuper d'eux. Bon, je sais pas d'où ils ont sorti cette musique là, mais... Alors, là voilà, c'est bon, on approche de l'objectif. Elle est vénère là, la meuf. Ah,
Donc Batari, ok, donc elle s'est planquée. Ah, ma mon tigre, il peut pas rester ici. Ah merde. Ah si. Mais j'ai pas compris alors ce qu'ils écrivaient. Où est-ce qu'elle peut être la nana? Ah bah tout simplement. Ça lui passe à travers la crête quoi. Dernière flèche. Alors. En enflammer. On va essayer d'enflammer ça en fait. Ça, ok, d'accord, ça brûle pas. Il n'y a pas moyen d'aller à elle pour aller au corps à corps? Ah, si. Je crois avoir grillé le truc. N'y a pas moyen de casser ou de brûler ça? Ah non, ça va faire que dalle, je suis obligé de la tuer avec des flèches, sauf que mes flèches ne sont pas éternelles. Je ne sais pas s'il va avoir de quoi retrouver des flèches. En plus, mes flèches ne font rien, c'est quoi le délire? Est-ce que mon tigre peut y aller? Non, bah non. Oh, putain. Cramer mon tigre maintenant. De toute façon, je le rappelle, il sert plus à rien. Par contre, j'ai pas resté dans les flammes, moi. Alors, je suis sûr qu'il doit avoir un truc quelque part pour dépanner. Donc déjà, là, on a trouvé des lances. Là, il y a des flèches. Il y a quoi par là? Il va avoir pas mal de lances encore. Et de flèches. Ah, ça doit être des... Ah, ça recharge toutes mes armes. Je suis assez loin là, c'est pas très pratique. Mine de rien, elle a perdu pas mal de vie pour le moment. On va se rapprocher. Oula! Elle fait quand même super mal quoi. J'aurais pas dû dégager mon tigre, je pensais pas qu'il y aurait des renforts qui arriveraient. Du coup, on va le rappeler. Alors, on va tuer les derniers qui restent.
Ok, on a une en bas. Merde, j'ai mis un coup dans la gueule du tigre, moi. Non, il y en a un autre par là. Ah, ils sont casse-couilles à avoir. Voilà. Quelqu'un, un autre ici. Hop là. J'étais pas loin de mourir pour le coup là. Faut que je fasse gaffe, j'ai pas la viande éternelle. Putain, je vais péter le gourdin sur la gueule quoi. Voilà. Mais je vais jamais la tuer si je continue à rester sur. Oh, c'est quoi qui m'a défoncé? Il est sérieux, ils ont un tigre à dents de sabre. C'est pas le mien normalement ça. Ah putain, le mien il est mort. Oh là là. Bon, pour l'instant, je vais profiter. Un bâtard. Hop là. Une flèche enflammée, elle va kiffer. Si je la touche, nickel. Elle est bientôt au milieu de sa vie. Ah putain, elle m'a enchaîné plusieurs flèches d'affilée là. Nickel. En fait, elle a que des flèches enflammées, elle fait trop mal. Si je dois me bouffer 3 viandes à chaque fois que je lui tire 2 flèches, je vais être dans la merde. C'est dommage qu'avec les gourdins, on puisse pas péter les flèches en fait qu'on nous envoie. Vas-y, sors ta planque toi. Ah putain. Ok, donc elle appelle de renfort. Ah, je peux pas le réanimer celui-là, ok. Appeler un tigre à dents de sable normal. Alors. Ok, eux, ils sont dans les flammes, normal. Ça c'est fait. Putain, celui-là il meurt trop vite par rapport à l'autre quoi. Ah, j'ai plus de viande. Oh non, je peux plus le soigner. Oh, je suis deg. On peut toujours se soigner nous-mêmes. Bah, comme ça en fait. Mais c'est moins efficace, je crois, le son. Et ça prend plus de temps. Mais par contre, ouais, pour les bêtes, c'est mort. Je peux plus les soigner maintenant. Ah, ils ont relâché une bête. Je vais pas tarder à me faire attaquer, moi. Là.
Il est parti où? C'est assez bien fait quand même quand on se régène comme ça sans soin. Enfin qu'on soigne tout son... Ouais, on soigne vite fait quoi. Je crois qu'elle doit appeler 4 fois des renforts comme ça en fait. Vu qu'elle en a appelé au premier quart, elle en a appelé pile à la moitié. Oh merde, il y a le tigre encore. Ah, c'est un lion en plus, c'est pas un tigre, je suis bête moi. Ça c'est bien, il m'a donné 8 viandes en tout cas. Qui me servent plus à rien vu que mon tigre à dents de sabre est mort. Et je vais pas rappeler une bête tout de suite, si c'est pour perdre toutes les bêtes que j'ai, c'est pas la peine. Alors, 23 flèches il me reste. Genre ça l'a raté. J'ai des piles dessus. J'ai entendu le son comme quoi des ennemis m'ont trouvé, mais... Bâtard. J'ai à moitié esquivé la flèche. Mais j'ai quand même pris des dégâts. Putain, elle s'est recachée direct. Ah, je sais, je vais casser ses 4 piliers, elle pourra plus faire de flèche enflammée. Parce que là, il y en a un deuxième de cassé, mais tout à l'heure, quand j'ai tiré une flèche enflammée, ça avait rien fait. Je vais regarder. Non seulement on pourra plus se planquer, et plus faire de flèches enflammées si je lui pète. À moins qu'il y ait des petites torches. Ah putain, elle a esquivé. Je dois plus avoir de soin une fois de plus. Ah, j'ai récupéré la flèche qui était dans mon bras, sérieux? Elle est venue dans mon inventaire à la flèche. Terrible. Bon, ça marche pas à chaque coup, hein. Là, ça a marché, par exemple. Faut pas que les flèches soient pétées, en fait. Ce qui paraît logique aussi, d'un côté. Ah, putain. Tu sais pas comment il fait pour se péter les doigts tout le temps. Donc, j'ai bientôt une nouvelle... merde. Une nouvelle vague d'ennemis qui devrait arriver. Ah, il me reste que 5 flèches. Ce serait bien de pouvoir en retrouver. Là, ça ramène pas des flèches ici. Nickel. Je suis remonté à 10. C'est déjà pas mal. Alors...
Sachant qu'en dernier recours, j'ai les lances que je peux lui lancer dessus, mais je pense que la distance est moins longue, c'est moins précis et ça risque de pas être forcément très pratique. Oh merde. Si je rate toutes mes flèches, ça va pas le faire. Bah t'as rien à appeler des renforts, ok. Ok, donc. Par ici. Merde. Dès que qu'il me manque un peu de vie, faut que je me régène, étant donné que la régène est plus longue. Je peux fouiller vite fait des corps, bois dur. Ah, je peux recrafter des flèches avec le bois dur. Ça, c'est pas mal. Les seins d'abeilles. Ah, l'enculé. Il va tomber, merde! Ah putain! Hop là! Oh putain, j'ai pris cher là! Ah, j'ai retrouvé des viandes! Oh bâtard! Alors, il est passé où l'autre? Déjà, il y a un archer ici. Nickel. Je me suis fait... Ah, elle arrive à me toucher d'où elle est, quoi. Alors, je suis en train de trouver des soins, c'est pas mal. Les feuilles rouges, c'est ce qui me permet de réanimer mon tigradent de sabre, il m'en faut 5. C'est assez rare, mais ce serait pas mal que j'arrive à en choper assez. Là, ils ont l'air d'en donner beaucoup exprès, vu que c'est un boss. Merde, bah, je peux pas fouiller le corps. Ah voilà. Ah, elle a pas kiffé celle-là. Hop là. Ah, par contre, j'ai pas kiffé celle-là du tout, moi. Ouais, bah j'ai déjà plus de viande, quoi. J'ai trouvé qu'un morceau. Je suis remonté à 5 flèches, alors je peux en crafter. Là, c'est pas mal. Finalement, les vagues d'ennemis, elles nous servent bien pour récupérer des munitions. Ah, elle a pas kiffé. Hop là. Voilà, c'est vraiment bien fait quand on soigne, je sais pas, j'adore ça moi. Bon, c'est pas une excuse pour me faire blesser, mais putain! Une flèche, je perds 3 carrés et demi quoi. De santé. Là, là, on est bien. On vient bientôt à bout du boss. C'est vraiment bien long quand même. Les boss, ils sont assez. Assez costauds, mine de rien. Hop là. Ok. Ah, plus que deux flèches.
Ok. La dernière a été bien ratée. Donc des lances, j'en ai que 6, donc il n'y a peut-être pas assez pour tuer. Ce serait bien que j'arrive à trouver bois d'aulne, bois dur, 4 bois durs, nickel, je vais pouvoir crafter des flèches. Alors, par contre, je me rééquipe du gourdin. Voilà. Ça, c'est des lances. Il y a des lances un peu partout au final. Bois dur. Feuilles rouges. Voilà, on a pu remonter à 6 flèches. C'est déjà ça. Elle appelle des renforts? Non. Ah, elle descend, ok. Et elle a appelé des renforts. Oh la salope. Ah, elle va être chaude. Oh merde. Sans soin, ça va être chaud. Ça commence mal. Toi, t'es mort. Ah putain, derrière moi. Oh le bâtard. Il est où le mec? Il va arriver par en dessous? Ouais. Il est mort. Oh putain! Alors, gourdin à deux mains, bah j'en ai ramassé un. Le mien avait pété à l'instant. Eh ben elle, on va s'en prendre elle. Ah putain. Elle nous défonce. On se fait bien défoncer en fait. Faut déjà tuer tout le monde quand même. Mais l'avantage, ce qui est appréciable à ce boss, c'est que les ennemis, quand ils sont appelés en renfort, ils sont pas infinis en fait. Elle peut pas en appeler infiniment. Voilà. Alors... Et voilà. Adieu. Ah, puis on garde la main dans le feu normal. Le chaman qui nous avait appris à résister un peu à la douleur des flammes. Oh, c'est énorme. Batterie en cendres, victoire. Bon, il était quand même moins compliqué que l'autre boss, malgré qu'il était peut-être plus long. Au final, on pouvait facilement se cacher, facilement retrouver des munitions, des armes et tout. Donc, ça allait, je trouve. Parce que l'autre, il nous défonçait bien, il venait au corps à corps et tout. C'était beaucoup plus chaud. Et les ennemis étaient à l'infini pour l'aider. Donc, c'était pas du tout pareil. Winza wa kwa sakat. Warpeti swada.
Wantar, ya batari hushanchi. Uguivas glakitis papi, sushayui. Shaya, sushilhanu anmas. Hey Kuska, shayuha, hayayama. Bien qu'ils nous ont encore drogués, quoi. On est où là? Proche de la planque ou pas? Ah, pas du tout même. Temple de Batari terminé. Ah ouais, on est apparu pas loin du village, mais ils nous ont bien laissé dormir à côté de l'eau, quoi. Alors, donc il va nous rester, comme d'hab, les bêtes à capturer. Il va nous rester le fort du hurleur de feu. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on améliorait les cabanes, on débloquait la suite des quêtes du personnage. Donc on va pouvoir faire par la suite Dad et Udam. Je pense que ça va être la prochaine vidéo. Et il faut que je fasse la hutte de Jaima aussi pour pouvoir terminer ces quêtes. Il me faut un cerf rare en fait qui est assez, assez chiant à trouver. Et ça sera bon. Voilà, voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de la qualité de la vidéo, de la quête. N'hésitez pas à liker, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Donc, merci à tous et à très bientôt pour la suite. Salut tout le monde !